Plusieurs semaines après le début de la grève à Hollywood, l'acteur Dwayne Johnson a tenu à soutenir celles et ceux qui sont impliqués dans le mouvement. Découvrez comment. CST, un mouvement qui ne cesse de faire couler de l'encre outre-Atlantique. Depuis plusieurs semaines déjà, le monde du 7e art américain est bouleversé par une grève historique. George Clooney, Mandy Moore, Meryl Streep, Colin Farrell, Ben Stiller ou encore Jennifer Lawrence figurent parmi les nombreux acteurs à soutenir celles et ceux qui se plaignent de la précarisation des métiers du cinéma, notamment depuis l'arrivée des plateformes de streaming. Cette grève, commencée par des scénaristes, a d'ailleurs causé la suspension de plusieurs tournages de films et séries attendus, comme Emily in Paris par exemple. Autre problème pour les grévistes, le succès de l'intelligence artificielle, qui menace tout autant le travail des acteurs. L'intelligence artificielle va affecter tout le monde. Si nous ne résolvons pas ce problème maintenant, comment pourrons-nous le faire à l'avenir? A déclaré l'actrice Suzanne Sarandon auprès de la BBC. Dwayne Johnson soutient les grévistes et visiblement, la liste des artistes à soutenir les grévistes ne cesse de s'allonger. D'après les informations de Variety, Dwayne Johnson, connu également sous le pseudonyme The Rock, a fait don d'une somme conséquente au syndicat des acteurs intitulé SAG-AFTRA. Si le montant précis n'a pas été rendu public, nos confrères indiquent tout de même que la somme est à 7 chiffres. Si est-il le don individuel le plus important que nous ayons jamais reçu, a tenu à préciser Sid Wilson, directeur de la SAG-AFTRA Foundation. Ce chèque va aider des milliers d'acteurs, que ce soit pour se nourrir, assurer la sécurité de leurs enfants ou pour faire rouler leur voiture, a-t-il ajouté, toujours auprès de Variety. Un acte solidaire historique.